bonsoir et bienvenue chez Jazz Adam Studio. Ce soir, nous accueillons un groupe qui mettra à l'honneur les compositions jazz aux influences des musiques de l'Est. Notre invité chez Jazz Adam Studio ce soir est le trio Micida. Alors bonsoir Simon. Bonsoir Mathilde. On espère que tu vas bien. Merci d'être le représentant du coup du trio Micida qui est venu jouer ce soir. Je vais d'abord te demander, toi qui es à la contrebasse, de nous présenter les personnes qui t'accompagnent ce soir. Donc il y a Daniel Givonne à la guitare et Mireille Tristian au cymbalum, en plus de moi, Simon Marie à la contrebasse.
Comment tu décrirais votre projet, le trio Micida? Ben c'est en fait, on se connaît tous les trois depuis une vingtaine d'années. On a joué dans différentes formations et on avait envie, pour ce projet, d'emmener des compositions personnelles de chacun. Et ça ratisse très large parce qu'il y a des influences de musique yiddish, de jazz bien sûr, de musique traditionnelle. Donc c'est un mélange de jazz et de plein de musique du monde, un peu de l'Est, surtout avec le son du cymbalum. Thank you.
Simon, est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup davantage sur ces influences que vous avez choisies? On voit qu'il y a un cymbalum. Tu m'as parlé tout à l'heure, avant l'interview, d'une composition d'origine grecque. Oui, eh ben, disons que en fait, le choix du cymbalum dans le trio, c'est vraiment un choix de musicien. C'est que Daniel et moi, on adore jouer avec Mireille. Ouais. Je pense que s'il jouait du piano ou de la trompette, on jouerait avec lui, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Il se trouve qu'il joue du cymbalum, donc tout de suite, ça colore la musique de façon orientale et du côté de l'Est. Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai emmené un morceau de musique traditionnelle grecque que j'ai réarrangé, donc ça donne une autre couleur. Mireille a arrangé un vieux morceau yiddish aussi, donc. Il y a vraiment cette influence du cymbalum qui nous emmène vers l'Orient, enfin Ouais, le tout pont entre naturellement. l'Orient et l'Occident, quoi, D'accord. de façon naturelle. Est-ce qu'il y a un album en préparation avec le trio Micida? Ouais, un album qui va sortir en juin ou juillet, là, très prochainement, qu'on vient juste d'enregistrer, c'est tout frais. Bon, Voilà. écoutez, c'est bien noté. Comment fait-on pour se procurer cet album quand il sera sorti, Simon? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de page Facebook du trio, mais sur nos pages Facebook à nous, donc Simon Marie, Mireille Tristian, Daniel Givonne, il va y avoir aussi l'album sur Bandcamp dès le mois de juin. D'accord, super. Eh ben, merci pour toutes ces informations, Simon. On vous souhaite du coup bonne continuation avec ce trio. Et puis faites-nous voyager encore, c'était génial. À Merci, bientôt. à bientôt, merci.
Alors, ça vous a plu? On vous propose un nouveau concert la semaine prochaine, vendredi à 19h30. D'ici là, vous pouvez suivre notre actualité sur le site internet jazzadom.com et suivre cette émission sur notre page Facebook ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette émission vous a été proposée bénévolement en partenariat avec Le Crieur Productions. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir notre projet en faisant un don via notre site internet jazzadom.com. On vous espère nombreux la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. Notre invité chez Jazzadom Studio ce soir est le trio Missida. And France. France. 12 points. France. 12 points. La France. 12 points.